Bonjour à tous, sortez le popcorn, c'est l'heure de Côté Comics. Au sommaire de cette émission de folie, Julien va vous faire les sorties du mois, puis il va répondre à l'une de vos questions. Thomas a lu pour nous le comics Templier, et enfin moi, je vais conclure avec un gros tout sur la mort dans les comics. Il y a du boulot, et privilège de la taille, on va commencer avec Julien. Bonjour à tous, ne perdons pas de temps et plongeons-nous directement dans les dernières sorties d'avril déjà disponibles, avant d'attaquer celles du mois de mai. Terry Moore, l'auteur de Echo et Strangers in Paradise, entre autres, revient avec une nouvelle série publiée chez Delcourt, Rachel Rising. L'histoire voit Rachel tenter de comprendre ce qui lui est arrivé après s'être réveillée dans les bois, en pleine nuit, ensevelie dans une tombe. Une nouvelle fois, on a affaire à une série de grande qualité, avec une histoire très mystérieuse, une narration originale et bien maîtrisée, ainsi qu'une ambiance très prenante. Une série que l'on vous conseille chaudement, si vous souhaitez lire quelque chose d'assez différent et de grande qualité. C'est en vente depuis le 16 avril. Le 16 avril, vous avez aussi pu découvrir le 12e tome d'Invincible, un peu moins bon que le précédent, mais qui sert surtout de transition avant la grande guerre contre les Vultrimites qui arrive. Le 18, c'était la conclusion de l'excellente série Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez avec la sortie du tome 6. La trilogie du Messie se conclut en version deluxe avec la sortie d'X-Men, Le Retour du Messie. On vous avait déjà parlé du complexe du Messie et de la guerre du Messie, cette fameuse trilogie mutante autour du personnage de Hope Summers. Cette fois, vous avez droit au gros final, qui tient toutes ses promesses et reste l'un des meilleurs crossovers que l'on ait pu lire du côté des X-Men. Hope et Cable reviennent enfin dans le présent et une grosse bataille va exploser, pleine de rebondissements et de révélations. C'est à ne pas manquer, sorti depuis le 23 avril. Trois belles sorties d'ici Comics le 25 avril, tout d'abord une immersion au cœur de la police de Gotham City, avec la réédition de l'excellente série polar de Greg Rucka et Ed Brubaker, Gotham Central. Le tome 3 de la série Justice League, qui met enfin tout le monde d'accord avec le crossover Throne of Atlantis. Et enfin, la deuxième partie du crossover La Guerre de Sinestro, dans les pages de Geoff Jones présente Green Lantern, tome 5. On passe tout de suite aux sorties du mois de mai. Dès le 2 mai, redécouvrez le personnage de Double Face dans une histoire en 5 numéros lui étant consacrée, intitulée Les Tourments de Double Face. Alors qu'il est le principal suspect d'une série de meurtres à Gotham, le procureur Harvey Dent, maintenant connu sous le nom de Double Face, et échappé de l'asile d'Arkham, se débat avec ses deux personnalités qui veulent s'éliminer entre elles. Un des meilleurs récits sur le personnage, signé par le duo Paul Jenkins et Jelly. Le 2 mai, ce sera aussi la sortie du nouveau tome d'American Vampire. C'est le 5e et il contient l'arc The Blacklist, qui conclut le premier cycle de cette série géniale de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque. Pour sauver l'homme de sa vie, qui a été attaqué par des vampires, Paul Jones doit s'allier à son créateur, le sanguinaire Skinner Suite, ainsi qu'à l'organisation des vassaux de Vénus. Sûrement le meilleur tome de la série qu'il ne faudra pas manquer. Le 2 mai, toujours, nouvelle série importante du côté de Marvel, Amazing X-Men. Jason Aaron et Ed McGuinness collaborent pour nous raconter le retour de Diablo. Le petit lutin bleu, censé être mort depuis de nombreuses années, fait son retour en fanfare, aidé par une équipe d'X-Men dirigée par Wolverine et Storm. La série rejoint le magazine X-Men pour son numéro 11. Le 7 mai, c'est le grand final de la saison 9 de Buffy contre les vampires. Alors que Dawn est en grand danger, Buffy, Willow et Alex, enfin réunis, se rendent dans le puits qui abritait autrefois Illyria pour tenter de ramener la magie. C'est bien sûr sans compter sur tous les ennemis qu'ils attendent sur place. Un très bon final qui nous rappelle les grandes heures de la série et conclut en beauté cette saison 9 avant la 10e. On termine avec une initiative originale de la part d'Urban Comics qui réédite 5 grands classiques de Batman en noir et blanc. Il s'agit de Batman Année 1, The Dark Knight Returns, Amère Victoire, La Cour des Hiboux et Batman Silence. Ils seront tous disponibles le 9 mai. Et maintenant, répondons à l'une de vos questions. C'est donc parti pour la question de Julia. Super prénom au passage. La mort du ventriloque Arnold Wesker a-t-elle été annulée dans les New 52? Et est-ce que l'autre ventriloque Peyton Riley a survécu à la noyade? Eh bien écoute, faisons un petit point sur ce fameux ventriloque. Le ventriloque est un ennemi plutôt secondaire de l'univers de Batman, mais souvent très apprécié des lecteurs. Le premier ventriloque, Arnold Wesker, fut créé en 1988 par Alan Grant, John Wagner et Norm Breifogel. Ce personnage a la particularité de n'avoir en soi aucun pouvoir, ni même capacité particulière, si ce n'est évidemment d'être ventriloque. Wesker va donc se servir d'une marionnette, nommée Scarface, qui a l'apparence d'Al Capone, pour info, pour diriger son réseau criminel et exécuter ses crimes. Né au sein d'une famille mafieuse, Arnold Wesker assista à l'assassinat de sa mère par une famille rivale, ce qui provoqua chez lui un trouble de la personnalité multiple. Il y a ainsi vraiment deux personnalités différentes entre lui et sa marionnette. Wesker est doux et plutôt gentil et compatissant, alors que Scarface est un vrai criminel assez psychopathe. Wesker sera donc très souvent soumis à la volonté de sa marionnette, qu'il traitera comme un moins que rien, n'hésitant pas à l'insulter. C'est d'ailleurs cette
constante discorde entre les deux personnages qui permettra régulièrement à Batman de vaincre le vilain. Pour la petite histoire, Wesker n'arrive pas à faire prononcer la lettre B à Scarface, c'est pour ça que la marionnette dira toujours Gatman au lieu de Batman. En 2006, Arnold Wesker est fait tuer par le nouveau boss de la mafia de Gotham City, à savoir le Grand Roca Blanc. Mais depuis 2011 et le reboot DC Comics, cette mort est effectivement annulée et Wesker est de retour. Il apparaît dans la série Batman The Dark Knight, dopé au Venom de Bane et au gaz de l'épouvantail. Il se sert d'un prisonnier mort comme nouvelle marionnette. Durant la période de sa mort, un autre personnage reprend son rôle de ventriloque, une femme, Peyton Riley. Elle réutilise la marionnette de Scarface qu'elle a récupérée à côté du corps de Wesker peu après sa mort et avec qui elle sera beaucoup plus en accord que n'était le premier ventriloque. Scarface l'appelle notamment Sugar. A la différence de son prédécesseur, elle n'hésitera pas à mettre Scarface en danger, voire à le sacrifier pour pouvoir s'enfuir, puisqu'il sera révélé qu'elle possède tout un stock de marionnettes identiques. Lors d'un affrontement avec le criminel Sabatino, à bord d'un yacht, Peyton Riley se jette à l'eau avec Scarface pour sauver sa vie. On ne sait pas si elle a survécu, mais elle n'a pas été revue depuis. Enfin, une nouvelle ventriloque est apparue depuis le reboot dans les pages de Batgirl, Shauna Belzer. Elle a nommé sa marionnette Ferdi, qui était le prénom de son frère jumeau qu'elle a tué par jalousie. Shauna peut contrôler Ferdi à distance sans avoir besoin de contact physique. C'est un peu chucky quoi. En résumé, Arnold Wesker est bien de retour depuis le reboot DC. Pas de nouvelles de Peyton Riley pour le moment et une nouvelle ventriloque du côté de Batgirl. Voilà pour les ventriloques de Batman. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les à cette adresse. Vous voyez, on y répond, on est cool. Allez, à la prochaine, ciao ciao! Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Templier, qui est une excellente série d'aventures et de chevaliers éditée chez Aquileos. L'histoire va se dérouler en 1307 au moment de l'arrestation des chevaliers du Temple, en France, à Paris. Et on va suivre plusieurs chevaliers qui, par un concours de circonstances, vont être absents au moment où tous les autres chevaliers vont se faire arrêter. Ces chevaliers vont se retrouver livrés à eux-mêmes, vont devoir éviter la justice royale. Et on va en suivre un en particulier qui, au cours de ses pérégrinations, va tomber sur d'anciens chevaliers qui ont ou qui auraient une carte qui leur indiquerait où se trouve le trésor des Templiers. Templiers est scénarisé par Mechner, qui est un habitué de la période médiévale, car il a entre autres créé le jeu vidéo Prince of Persia ainsi que le film. Mechner va être épaulé par deux dessinateurs qui avaient déjà travaillé avec lui sur Prince of Persia, le comics adapté de son jeu vidéo. Il est vraiment un travail plutôt excellent qui est très dynamique, où les personnages ont des mimiques très expressives, malgré un style graphique assez typé. Templier est une série éditée par Aquileos qui est en deux tomes. Chaque tome fait 19 € pour plus de 200 pages, donc là c'est vraiment une lecture que je vous recommande et très très chaudement. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super joyeux, à savoir les DC et non pas les DC dans les comics. Cette fois, pas de vampires, pas de zombies ou autres morts vivants, mais bien la mort du genre quand on est mort et qu'on n'est plus là. Chapitre 1, la mort, élément déclencheur pour être un super-héros. Vous le savez aussi bien que moi, aucun personnage ne se dit « Tiens, je vais être un super-héros du jour au lendemain ». Il faut une raison. L'une des raisons les plus utilisées est la mort de l'un des proches du personnage. Spider-Man souhaite faire pénitence en tapant sur du vilain parce qu'il est indirectement responsable de la mort de son oncle, en ayant refusé d'arrêter son assassin quelques heures plus tôt. À l'époque, il ne se sentait pas concerné, bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Batman veut faire payer les criminels qui pullulent dans Gotham parce qu'ils ont tué ses parents. Pour Daredevil, c'est la même chose que Batman, mais juste avec son père. Le Punisher a vu l'intégralité de sa famille se faire massacrer, sauf que lui, lorsqu'il se venge, il n'y va pas de main morte, quoi. Donc, même si ce n'est pas toujours la raison principale, et encore heureux, pour certains d'entre eux, la mort reste le top départ vers la machine à coudre afin de créer son costume. Chapitre 2, la mort d'un personnage secondaire pour changer la donne. Tuer un personnage secondaire, lorsqu'il reste mort bien évidemment, apporte énormément de choses. D'un point de vue commercial déjà, ces numéros explosent les ventes, sont souvent cultes et connus des plus fins collectionneurs.
D'un point de vue scénaristique, on va prendre l'exemple de Gwen Stacy, morte en 1973, cela permet principalement deux choses. Premièrement, de donner encore un peu plus de fil à retordre aux super-héros, et donc ici à Spider-Man. La vie d'un super-héros doit être pleine de rebondissements. Elle ne doit pas être entourée de fleurs, mais un minimum chaotique. On s'ennuie si le super-héros bat les méchants et basta. Un décès permet de faire évoluer le personnage et de lui faire dire, ou faire des choses, qu'il ne ferait pas en temps normal. Cette mort fait que Spider-Man est en deuil, mais aussi qu'il n'a pas respecté sa promesse. Deuxièmement, cela permet de donner une importance de malade à un super-vilain. Lorsque l'on sait le nombre de fois que les super-vilains sont envoyés à l'hosto, en psychiatrie ou en prison, leur donner un semblant de victoire est systématiquement annoté dans les annales. Le Bouffon Vert, aussi important était-il déjà auparavant, aura marqué les esprits pour avoir été celui qui a vraiment fait mal à Spider-Man. Autre exemple, la mort de Jason Todd, qui fait que Batman se renferme sur lui-même, enfin, encore un peu plus que d'habitude, je veux dire, ne veut plus jamais avoir d'acolyte, mais devient également plus violent avec les super-vilains. Il ne s'agit plus de les arrêter, mais bien de les punir. En vrac, on peut noter la mort de Betty Ross, mort plutôt choquante quand même, faut le dire, puisqu'elle meurt irradiée. Alexandra DeWitt, la petite amie de Kyle Rayner qui finit dans le frigo, juste à côté des pots de yaourt. Le fils d'Aquaman, tué par Black Manta alors qu'il n'est qu'un bébé. Bucky Barnes, supposé mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et encore beaucoup d'autres. Chapitre 3, la mort d'un super-héros. Et oui, ça arrive, et il y a toujours des points positifs et négatifs. C'est souvent les mêmes d'ailleurs. Pour certains super-héros, c'est assez facile d'expliquer l'importance de leur mort. Spawn est Spawn parce qu'il est un peu mort justement, tout comme Deadman qui, comme son nom l'indique, est dead, donc mort. Ces deux-là ont une carrière de justicier parce qu'ils sont morts. Pour les autres personnages morts, il y a plusieurs raisons. La première de ces raisons est que le comics a pour but de nous transmettre un certain code moral, mais aussi de nous faire voyager. On s'identifie presque systématiquement au super-héros lorsque l'on est jeune. Autrement dit, si le personnage souffre, on souffre aussi. Et donc s'il meurt, bon, on meurt pas, mais bon, vous avez compris l'idée. Voici rapidement quelques super-héros morts. Superman, battu par Doomsday après un combat acharné. Captain Marvel qui meurt d'un cancer. Jason Todd défoncé à coups de boramine par le Joker. Jean Grey qui se suicide lors de la saga du Phoenix. Elektra empalé par le tireur. Captain America abattu par Crossbones sous les ordres du Crâne Rouge. On peut aussi penser à Crisis on Infinite Earth qui a vu mourir Supergirl, Green Arrow, Huntress, deux Lex Luthor, deux Wonder Woman et Barry Allen. Enfin, on s'est lâché et ça a été la grosse purge. Bon après, contrairement aux personnages secondaires, lorsqu'un super-héros meurt, et lorsqu'on lit beaucoup de comics, la mort en elle-même, on s'en fout pas mal. Finalement, c'est surtout le comment il est mort et comment il a trompé la mort qui sont intéressants, et c'est souvent très tordu d'ailleurs. Pour le reste, le personnage n'évolue pas vraiment parce que les éditeurs doivent conserver un univers un minimum simplifié pour les néophytes qui veulent s'y mettre. C'est pour cela que les gros changements sont extrêmement rares et à l'inverse, les reboots très nombreux. C'est tout simplement parce que le retour à une situation zéro est inévitable. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si à l'inverse, elle ne vous a pas plu, je pense que c'est parce que vous ne l'avez pas bien regardé la première fois. C'est pas grave, re-regardez-la sur Facebook histoire de vraiment être sûr. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et pas une très longue vie. Ciao tout le monde !